Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reste à Vincennes ce dimanche 3 décembre avec l'un des premiers temps forts. Enfin, on a eu le Prix de Bretagne, mais la finale du Grand National du Trot, c'est toujours un moment très attendu. Il n'y a pas énormément de partants, ils ne sont que 13, mais on a quand même eu droit à un quintet. Et c'est vrai que, voilà, prévu dans la quatrième course du programme de cette réunion, une prévue bien entendu à 15h15, on a droit à un superbe plateau pour ce groupe 2 qui se dispute sur 2850 mètres sur la grande piste, un recul de 25 mètres à partir du numéro 7 Falco d'Avaroche. Et on a vraiment de la qualité au départ avec notamment les deux premiers au classement général, mais ils sont entourés par une coalition de chevaux de classe et qui devrait logiquement leur tenir la dragée haute. En premier lieu, le numéro 13, Émeraude de Bec, j'ai retenu en tête. Pour moi, c'est vraiment une jument de grande classe. Elle a tellement progressé depuis l'hiver dernier. Voilà, il a réussi même à s'illustrer au niveau groupe 1, je l'ai déjà dit, mais deuxième du Critérium de vitesse de la Côte d'Azur en fin d'hiver sur l'hippodrome de Cagnes, c'est pas rien. Ça montre les progrès qu'elle a effectués depuis maintenant plus d'un an. Dernièrement, dans l'étape de Mauquenchy, elle a été impressionnante. Elle s'est imposée vraiment de la tête et des épaules, alors qu'elle n'avait qu'une course dans les jambes et c'était une disqualification. Donc vraiment une jument qui est déjà revenue au top, qui connaît parfaitement ce parcours. Elle découvre un engagement très favorable. Je ne sais pas si c'était à combien le recul de 50 mètres. Soit 677 000, elle a 664 000, à ce niveau-là c'est rien, c'est comme si c'était 1 000 € pour une catégorie inférieure, donc pour le coup elle ne peut pas rêver meilleur engagement, défaire les quatre pieds, il y en a beaucoup qui sont confiants, et elle, à juste titre, elle fera partie des juments capables de l'emporter. Ensuite, j'ai retenu le 11, Ganet de Banville. Ganet de Banville qui vient de terminer 7ème du Prix de Bretagne. Justement, on parlait des courses références. C'était peut-être pas une des courses références parce que c'était le seul à le courir le dimanche d'il y a 2 semaines. Toujours est-il qu'il a quand même bien tenu sa partie parce qu'il a quand même pris le commandement assez tôt. Et c'est vrai que terminer 7ème face aux meilleurs chevaux en activité, c'est quand même pas rien, même si on s'attendait à ce qu'il soit capable de se qualifier pour certains. Il n'a pas démérité. Là, le lot est bien entendu un peu moins relevé, même s'il y a quand même des chevaux de qualité au départ. Mais je pense qu'il a largement la pointure d'une telle épreuve. Même s'il rend 25 mètres, il est défaire des 4 pieds. On connaît Jean-Michel Bazire dans la clôture du GNT. Il a souvent été redoutable et je pense que ça ne devrait pas déroger à la règle et il devrait logiquement jouer les premiers rôles. Ensuite, je suis parti au premier poteau avec le 4 Inexcess Bleu. Impressionnant en dernier lieu. Il a battu Idéal du Pommeau, il a battu Juchuatri, il a battu Josh Power. Josh Power, vainqueur de Critérium des 4 ans. Juchuatri, on en fait un cheval de Prix d'Amérique. Bon, Juchuatri est parti au galop. Il n'a pas demandé le maximum Jean-Michel Bazire, mais battre Idéal du Pommeau, c'est quand même pas rien. L'un des meilleurs chevaux de 5 ans en activité. Donc, pour le coup, la performance était vraiment grande. Elle est à l'image de ce cheval qui ne cesse de progresser. Et c'est vrai que là, il court rapproché. Il y a les vieux chevaux quand même sur sa route, dont certains sont vraiment des durs à cuire. S'il a le parcours comme la dernière fois et qu'il n'en fait pas trop durant le déroulement de course, ça peut coller. Mais pour moi, avant le coup, pour gagner, il va falloir quand même sortir le grand jeu. D'autant que j'ai peur qu'il manque un peu de fraîcheur après avoir très bien couru il y a quelques jours. Mais en tout cas, vu le style de sa dernière sortie et de sa dernière victoire, je pense qu'on est en droit d'en attendre une confirmation. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 5, Gamin Jabba. Gamin Jabba qui, je crois que c'était l'hiver dernier, il avait battu Émeraude de Bec sur ce parcours dans les mêmes conditions, avec 25 mètres d'avance. Alors, Émeraude de Bec a depuis progressé, je trouve. Mais bon, Gamin Jabba, il a couru assez sagement les dernières fois, justement en vue de cet objectif pour lequel il est idéalement engagé. Déferrer les 4 pieds, on sait comment ça marche. Je pense que si un Bazire venait à décevoir, l'autre pourrait le suppléer, même les deux pourraient faire l'arrivée. En tout cas, moi j'y crois, je pense vraiment que si ça se passe bien et qu'il se montre sage, parce qu'il faut être réaliste, parfois il se montre un peu fautif, c'est un cheval qui est capable de terminer dans les 5 premiers. Pour la petite anecdote, je crois qu'il a couru 2 étapes du Grand National du Trot, et à chaque fois il était disqualifié, une fois après enquête et une fois durant le parcours. Donc voilà, il n'a pas eu une grande réussite, peut-être que la finale peut lui apporter un peu plus de chance. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 10, Gaspard d'Angy, préparé pour, impressionnant tout au long de l'année, le leader de ce circuit cette année. Voilà, il a repris de la fraîcheur, il n'a pas couru la dernière étape sur l'hippodrome de Mauquenchy parce qu'il n'y avait que 10-11 jours d'intervalle. Et vu ce qu'il a fourni comme effort depuis le début de l'année, Jean-Michel Baudouin a décidé de lui redonner un peu de fraîcheur et bien lui en a pris à mon sens, parce que ce sera toujours mieux d'avoir 3 semaines et demie plutôt que 10 jours. Et pour le coup, ça peut faire la différence, notamment face à un certain Horace du Goutier qui est son dauphin actuellement. En tout cas, Gaspard d'Angy préparé pour. Peut-être que sur la grande piste de Vincennes, ce sera moins évident, mais en tout cas, il devrait répondre présent et donner son maximum pour terminer dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu le 8, Goéland d'Auford. Goéland d'Auford, il a terminé deuxième l'an passé de cette épreuve. C'est un super cheval, Goéland d'Auford. On le sait, il vient d'être battu dernièrement. Je ne sais plus par qui il a été battu. Il a été battu par un sacré dur à cuire, un H peut-être. Juste, j'avais envie de voir cette performance, si on peut la voir. C'est qui l'avait battu? C'était Ian Me, ouais, le cheval de Michel Lenoir. En tout cas, il a réalisé une très belle performance. Il prouvait qu'il était en forme, déféré des 4 pieds. Alors voilà, il est en 25 mètres. Pour moi, il n'y a pas trop de marge aux 25 mètres. Mais pour une 4/5e place, il a largement son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Gendreen, qui vient de s'imposer dans une course assez tactique. Ils n'étaient pas beaucoup, ils battaient notamment Orchestro. On doit l'avoir du coup, cette paire. C'était le Prix d'Argentan le 13 novembre dernier, il y a 3 semaines à peu près. Et c'est vrai que il a contrôlé la course, et c'est le fait que c'était une course tactique, ça a joué en sa faveur en étant en tête. Maintenant, Alexandre Brivard choisit logiquement d'être associé à Inexcess Bleu, quasiment les mêmes gains avec 2 ans en moins, donc clairement il n'y a pas forcément photo entre les deux en valeur pure, mais Gendreen c'est quand même un bon cheval, et même s'il y a de l'opposition, l'engagement est tellement favorable et il est tellement maniable que ça peut suffire pour prendre une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9, Horace du Goutier. Le grand Horace, le dur à cuire, lui aussi a réalisé une très belle année dans le GNT, même si je pense que avoir le maillot jaune, ce sera très très compliqué, parce qu'il faudrait un faux pas de Gaspard d'Angy et que lui réalise une très bonne performance, même si les points sont doublés. Je doute que face à une telle opposition sur la grande piste de Vincennes, il soit capable de lutter pour la victoire, voire même pour le podium. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est en forme. J'ai peur également qu'il court un petit peu de manière rapprochée. Ça lui convient pas forcément de courir à une dizaine de jours. Mais bon, son entraîneur joue le jeu et c'est normal. Et il le présente avec la grande confiance qui est souvent la sienne, Sébastien Garato. Donc attention, pour une place, on est obligé de lui faire confiance. Et puis j'ai retenu en cas de non partant le numéro 12, Happy Valley. C'est vrai que c'est une course où ils ont tous une chance de faire l'arrivée quelque part, même si c'est vrai que Galig du Rocher, à mon sens, se heurte à forte partie. En tout cas, Happy Valley, mon regret, c'est une super jument. Maintenant, elle rend 25 mètres, c'est une attentiste. J'ai peur qu'elle attende trop et qu'elle se retrouve trop loin pour espérer terminer dans les 5 premiers. En théorie, c'est une belle chance. En pratique, c'est un peu moins facile. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Émeraude de Bec, que j'ai retenu devant le 11, Ganet de Banville, le 4, Inexcess Bleu. Ensuite, en 4e position, le 5, Gamin Jabba, devant le numéro 10, Gaspard d'Angy, le 8, Goéland d'Auford, le 6, Gendreen et le 9, Horace du Goutier. Et en cas de non partant, le numéro 12, Happy Valley. Voilà, vous savez tout. Écoutez, en conseil de jeu, rien inventé, Émeraude de Bec, Ganet de Banville et Inexcess Bleu, ce sont mes 3 préférés. Je vous l'accorde, la course est ouverte, ça va être une question de parcours, mais pour moi, vu ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils viennent de faire, notamment, je pense que ces 3-là ont largement les moyens de lutter pour les premières places. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous rappelle également que Top Prono et Turf Sélection, nos 2 rubriques, sont disponibles à partir de 1 € par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante, un lien qui vaut vraiment le coup en tout cas. Voilà, moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette édition de la Minute Quintée. On se retrouve lundi du côté de Vincennes une nouvelle fois avec les trotteurs. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.